retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'avais très très envie de vous faire découvrir une boutique qui s'est ouverte récemment, il y a quelques mois je crois. C'est une personne que je connais et que j'aime beaucoup et qui a ouvert une boutique. Alors pour les personnes qui sont dans le sud, ça va être plutôt pour les personnes dans le sud. Après, pour les personnes qui sont un petit peu plus loin, mais qui passent par le sud, donc qui viennent en vacances dans le sud, c'est vraiment une boutique que je trouve incontournable et à aller voir. Alors, on en parle tout de suite. Alors, c'est une petite boutique qui s'appelle comme à la maison, calme. Ce sont tout ce qui est produits cadeaux, originaux et rigolos. Moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'adore, donc qui est venue à la maison il n'y a pas longtemps et qui est arrivée les mains chargées de cadeaux. Donc, avec des produits pour les enfants, pour moi aussi. Et donc j'ai trouvé ces produits vraiment extra. Alors moi je la suis sur Instagram, puisque je suis sur Instagram. Je vous mettrai son lien sur Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous mettrai aussi son lien Facebook, puisqu'elle a une page Facebook. Alors moi c'est vrai que j'ai un Facebook, mais j'y vais très très peu. On va dire même que j'y vais de moins en moins. Je suis plus sur Instagram. Donc, je vous mettrai les deux liens de Facebook et d'Instagram de sa boutique, où elle met pas mal de photos, pas mal de choses. Il y avait beaucoup de choses pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour les enfants, pour la rentrée des classes. Il y a vraiment des trucs super sympas, originaux et qu'on ne trouve pas partout. Donc moi, je vais vous montrer tous les produits qu'elle m'a amenés. Alors, on va commencer peut-être par les produits symbolique, le produit symbolique qu'elle a offert à ma louloute. Alors il y avait une petite carte, mais c'est ma louloute qui l'a gardée, je ne sais pas où elle l'a mise, mais la carte j'ai adoré aussi. Et là elle lui a amené, alors c'était vraiment très symbolique, c'était pour son, elle était en pleine préparation de bac, donc c'était un petit porte-bonheur en fait qu'elle lui a amené. C'est bulle de savon qui fait ça, et c'est un bain douche brut, donc en forme de bouteille, voilà, de champagne, et vous avez bulle de savon, bain douche brut. Donc je trouve ça super super original. C'est vrai que c'était vraiment le cadeau à lui faire, très très symbolique. Alors avant qu'elle l'ouvre, j'ai voulu vous la présenter. Voilà, donc ça c'est ce n'est pas du champagne, c'est un gel douche à tester. Ensuite, on va passer au cadeau de mon loulou. Elle lui a amené des hand spinners, puisqu'elle fait les hand spinners. Alors, tu en as eu un de quelle couleur? Un noir avec des anneaux en argent. Un vert, je pense que c'est un peu vert fluo, un peu. Oui. Avec pareil des anneaux. En argent, et un rouge avec des anneaux en noir. Voilà, alors ils étaient bien sûr emballés dans une petite boîte, mais bon, c'était l'anniversaire de Loulou, donc il n'a pas voulu attendre, hein. On les a ouverts et puis on s'est dit qu'on vous les présenterait comme ça dans la vidéo aussi, que ça serait bien que vous voyez qu'elle fait aussi des hand spin. Elle fait aussi des petites light box, voilà. Alors, soit en rose gold, soit en or. Alors, mon loulou en a une, elle est rose gold, donc je vais vous la montrer. Voilà, rose gold. Et puis, il y a toutes les lettres dedans. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a aussi les emojis. Alors, faut savoir que elle s'allume. Voilà, bon, enfin là. C'est éclairage, éclairage. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien là? Voilà. Donc, elle s'allume. Elle est aussi rechargeable
sur boîtier en fait, elle marche à pile et vous pouvez la recharger. Donc ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Là j'ai vraiment un mauvais retour de caméra. Est-ce que je peux vous la mettre là? Est-ce que vous allez mieux la voir? Peut-être. Non, vous la voyez pas du tout. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez. Alors là, Loulou, il a marqué Pro Gamer Zombie, puisque c'est un gamer, n'est-ce pas? Et elle peut. Elle est aimantée. Donc vous pouvez la mettre. Enfin, pas sur un mur, hein, bien sûr, mais sur un frigo, sur pas mal de choses. Et c'est assez sympathique. Et là, pour le coup, elle est rose gold, celle-ci, mais en sachant qu'il y a aussi cette couleur-là qui est or, en fait. Voilà, donc je vous la mets là, comme ça vous allez mieux la voir. Voilà, ensuite, nous avons, enfin, il a eu, mon loulou a eu, parce qu'en fait c'était son anniversaire, donc il a eu d'autres choses aussi. Ça, je voulais aussi vous présenter parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super mini. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu un petit burger, comme ceci, et les frites qui vont avec. Donc, savon frites, 100% végétal, c'est so cute. Enfin, moi, j'ai craqué là-dessus. C'est trop mimi. Savon frites, et là, c'est à l'abricot. Voilà. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, c'est assez naturel, je trouve. Vraiment, alors c'est toujours pareil, c'est Bulle de Savon qui fait ça. Donc, c'est très très sympa. Et le burger, je vais vous ouvrir le burger parce que j'ai vraiment trouvé que c'était génial. Voilà, donc vous avez des couches successives de savon. Donc, le pain, le fromage est une autre couche de savon. Le steak haché, la tomate, les poivrons et le pain, c'est tout du savon. Savon burger. Donc là, pareil, je vous le présente parce qu'il se languit de le tester. Voilà. Et ça sent, c'est la tuerie, ça sent super bon. Alors, ensuite, on va enlever un petit peu tout ça pour essayer de vous présenter les autres produits. Mais j'ai très peu de place sur ma petite table, donc il faut que je m'organise autrement. Donc ensuite, pour moi, elle m'a amené un petit plateau. Voilà, qui est comme ceci. Alors toujours pareil, hein, très très joli. L'emballage est magnifique, sous vide, avec comme à la maison. Voilà, et dans ce petit plateau, il y a des savons, parce qu'on dirait un plateau à fromage, mais ce n'est pas un plateau à fromage. Vous avez le petit roquefort. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop, là. Je défais tout le joli emballage. Mais bon. Voilà. Et je vais essayer de vous présenter sans trop. Sans trop abîmer. Voilà. Donc là, je vais remettre ceci. Vous avez donc, est-ce qu'on le voit bien, mon petit plateau à fromage? Non, on ne le voit pas très bien. Peut-être que là, vous allez mieux le voir. Petit plateau à fromage. Donc, avec la petite souris qui surveille tout ça en savon, toujours super bien présenté. Le petit morceau de fromage qui sent très très bon. Alors je ne sais pas ce que c'est comme parfum, mais c'est très fruité, ça sent très très bon. Le petit morceau d'emmental, pareil, en forme de savon. Alors ça, je pense que vous pouvez aller voir sur son site, sur son Insta et sur son Facebook. Et là, je pense que vous aurez tous les parfums. Et le savon tradition, alors affiné, pareil, c'est Bulle de Savon. Et je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà, c'est un savon verveine.
qui se présente comme ceci, comme un petit camembert en fait. Ah oui, ils sentent vraiment la verveine. Ils sentent très très bon. Donc, ingrédients sodium. Sodium palme carmélate, aqua, palme acide, glycérine, limonide, parfum, citral. Donc voilà, que des... Une petite composition bien sympathique. Et voilà, je vous le remets dans la petite boîte. Donc, un petit plateau assez sympa et assez original. Je vais vous le mettre par là parce que j'aimerais que vous le voyez. Alors, est-ce que vous le voyez mieux là? C'est pas terrible, hein? Voilà, là, vous le voyez mieux sûrement. Donc, là, j'ai eu mon petit plateau à fromage. Et ensuite, bien sûr, pour aller avec le plateau à fromage, on boit. Et qu'est-ce qu'on boit? Alors, en principe, pour le fromage, c'est du rouge. Donc, le rouge, il est là pour accompagner le fromage Château-Labulle, bain-douche, cuvée spéciale rouge, appellation contrôlée, cru artisan. Et là, c'est un parfum au niveau des fruits rouges. Bon, bien sûr, vous voyez, il n'est pas ouvert, hein. Je voulais vous le montrer, vous le faire découvrir vraiment pas ouvert. Donc, c'est un bain-douche parfum fruits rouges. Voilà, bulle de savon et c'est tout fabriqué en France puisque c'est quelqu'un qui aime bien travailler avec tous les petits artisans français. Voilà, donc je suis parée hein, pour pas un repas copieux on va dire, mais un bain, un bon bain copieux avec mon plateau à fromage. Et mes petits bains douches. Et elle n'a que des produits comme ça. Des produits très fantasy, très mimi. Alors, je crois qu'elle va rentrer d'autres lightbox en un peu plus grande puisque je lui ai dit que j'en voulais pour moi. Ce qui est vraiment très bien, je trouve, c'est qu'il y a les emojis, c'est aimanté. Enfin, voilà, plein de produits. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur son Instagram. Et aussi sur son Facebook, puisqu'elle met pas mal de photos et tous les jours. Donc, tous les produits qu'elle rentre au fur et à mesure, vous aurez vraiment le plaisir de les découvrir. Donc, c'est une boutique qui s'est ouverte dans le sud, du côté de Villeneuve-les-Avignon. Pour ceux qui sont dans le sud, ben écoutez, je vous invite à aller y faire un petit tour hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis comme ça, en même temps, vous me ferez un retour à moi aussi. Moi, je n'ai pas encore pu y aller. J'espère y aller très très vite parce que je pense que quand je vais y aller, je vais faire une razzia parce qu'il y a plein de produits qui m'intéressent. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller visiter cette boutique ou tout au moins, si vous ne pouvez pas allez vous déplacer dans la boutique, à aller voir sur Instagram parce que peut-être que... Alors, je sais qu'il est en prévision de faire un site internet au niveau de ses ventes. Bon, c'est compliqué à faire, donc ça se fait petit à petit. Mais voilà, ça se fera. Après, en attendant, peut-être qu'en la joignant par Facebook ou par Instagram, s'il y a des produits qui vous plaisent, que vous voulez vraiment, elle peut sûrement vous les envoyer. Ça, c'est à voir avec elle. De toute façon, c'est une personne qui est très, très disponible. Donc, pas de souci, vous pouvez y aller, lui poser toutes les questions que vous voulez et elle se fera un plaisir de vous répondre. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Ma petite communauté augmente au fur et à mesure et j'en suis vraiment ravie, ça me touche énormément. Un immense merci aux fidèles parce que je vois que vraiment, il y en a qui sont là depuis le début, qui ne me lâchent pas, qui sont là à toutes les vidéos, qui commentent. J'ai toujours des gentils commentaires. Donc, vous ne pouvez pas savoir comme ça motive, comme ça booste et comme ça donne envie de faire des trucs bien et de continuer à progresser. Voilà. Donc, je vous embrasse tous très très fort. Surtout, portez-vous bien et à très très vite pour une prochaine vidéo.